Mais qui est là? Stop, stop. Qui est là? Ça va bien, Tel Aviv? Mais qui? Écoute, moi je suis là, je suis en vacances. Dès qu'il y a un spectacle, je viens, je vais. Direct, j'ai que ça à faire. Allez, donnez un applaudissement pour Kevin Gilbert. S'il te plaît, remets la bande au début, s'il te plaît. Je suis venu exprès pour te faire ma version de Chatroulette, une version de Tel Aviv, ok? De d'ici. Une version d'ici, quoi. Mais genre, des, quoi, genre sans le banatage Genre une version qui sent la dame route, tu vas voir. Vas-y. C'est très sympa. Vas-y, balance. Vas-y. Ce soir. Mais ne dis pas ça. J'ai vu ta mère faire des boulettes. Ils vont rentrer. Ah ouais, il a bossé, franchement. Très content d'être ici. On a un autre plein d'applaudissements, s'il vous plaît. Mais attends, mais. Je suis sûr que tu fais un spectacle à Tel Aviv. Mais mec, ouais. Et que t'es sage, en fait. Ouais, bien sûr. Mais moi aussi, je suis étonné que tu sois. Bon, tu sais, tout le showbiz, hein, maintenant, on est obligé. Hein. C'est vrai? Ah bah ouais. Il y a des gens qui sont pas fâches dans le show. Tout le showbiz. Ah. Regarde la meuf de Brad Pitt par exemple. Mais elle est fâche machin là. Angelina Jolie. Moi je... Même dans le showbiz français il paraît moi. Okay. Bah, même des actrices françaises il paraît qu'Audrey Tautou, Audrey Touitou est pas loin. Hein. C'était vrai? C'est qu'au States, même le président des États-Unis, c'est possible, il est pas fudge. Il est Renoir et fudge. Non. Barack Obama. Moi, on m'a beaucoup parlé en Renoir de Marcy truc. Et tu sais quoi, il y a même des gens, tu t'attends même pas, c'est des fudge. Non. Genre, tu sais que l'ancien pape, c'était un fudge. Ah non, là, c'est pas possible. Non, non, il est. Comment? Benoît Spes. Bien sûr. Moi, on m'a dit que dans Fort Boyard, le petit nain là, passe par touche. Passe par touche, évidemment. Quelle âme de Tel Aviv! Merci beaucoup. J'ai vu ta mère faire des boulettes. Comment tu te remets de ça? Ah bah j'ai oublié mon spectacle.
Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Kev Adams, il a fait plaisir de venir et tout, et bien sûr, il n'a pas vu ma mère faire des boulettes. Et j'ai pas vu, bien sûr, j'ai vu ta mère sur Chatroulette, c'est une chanson que je chante, bien sûr, j'ai pas vu la mère d'un pote sur Chatroulette, voilà, c'est des conneries, quoi. Je suis jamais sorti avec une cougar. Serge, ça veut dire une femme d'âge mûr. Ah, je suis dit, parce qu'il était comme ça. Pourtant, il y en a des mères dans la salle ce soir. Déjà, merci d'être venu avec vos mamans. Mesdames, vous me laisserez votre 01. Et pourtant, des vieilles, il faudra bien que je m'en tape un jour. Bah oui, moi aussi, un jour, je serai vieux. Je me demande, tu vois, comment on sera, nous, les jeunes d'aujourd'hui, quand on sera vieux, toi. Je me demande bien comment il sera Kev Adams quand il sera vieux, toi. Tu sais, quand les vieux dans les maisons de retraite, ils s'appelleront Kevin, Brandon, Dylan, tu sais, est-ce qu'on aura des baguettes vieux? Oh, papy, remonte ton jean, on va ta couche. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que quand on aura 80 ans, tiens, on gardera notre code vestimentaire de jeune, nos façons de parler de jeune? Des jeunes. Que je vous raconte comment j'ai rencontré votre mamie Cindy. J'avais vu des photos d'elle sur Facebook. Elle était une beau, la tepue. Alors je l'ai poké. Ensuite j'ai liké. Et pour finir, ben, je vais niquer. À l'époque, mamie Cindy, je peux te dire, viens mamie Cindy, viens montrer tes petits tatouages. Ils sont jolis les tatouages de mamie Cindy, quand même. Ben, c'est joli quand même, petit papillon comme ça sur le genou. Hein. C'était sur le sein. Hein. Ben, ça va bien avec ton petit tribal au-dessus des fesses, voilà. C'est des varices, d'accord. J'ai changé mamie Cindy aussi. Bon, les jeunes, ça va au lycée? Oui. Qu'est-ce que vous étudiez en auteur classique? Boulet Bill? Ah. Bon, si vous avez besoin de conseils en histoire, papy, il est là. Papy, il peut vous parler de 2013. Oui. Ah. 2013 en France. Le président de la République, c'était François Hollande. François Hollande. Vous voyez pas qui c'est? Celui qui est arrivé tout maigre et qui est reparti tout gros. Là. Non, vous voyez pas, celui qui est venu après Sarkozy. Non, pas le Sarkozy que vous avez maintenant. Non, ça... Non, ça c'est le jeune. Ah, c'est le fils à la fille de Rachida Dati. Son con, ces jeunes. Bon, vous avez été bien gentil avec papy. Alors, papy va vous donner la pièce. Voilà, tenez. Hein? 100 yuan chacun. Ben oui, papy il tremble un peu. Ah oui. Ah oui, parce que papy il a Parkinson. Mais bon, papy il est content avec Parkinson. Vous savez, si je me moque des vieux, c'est pas que j'ai pas de respect pour eux, je vous jure, j'ai beaucoup de respect pour eux, ils sont très importants, mais c'est juste que je suis comme tout le monde, j'ai peur de vieillir, tu vois. Et moi j'ai carrément peur de grandir, tu sais, j'ai pas les codes d'adulte, je supporte pas d'être adulte, tu vois. Moi, je pense que jusqu'à mes 50 ans, j'écouterai mes Rice Krispies, tu vois, le matin. Tu sais, moi, je trouve ça nul d'être adulte, je trouve ça nul d'avoir 30, 40, 50 ans, tu vois. Je comprends pas pourquoi, quand t'as 40 ans, tiens, pourquoi t'as plus le droit d'inviter un pote à dormir à la maison? Non, mais sérieux, pourquoi quand t'as 40 ans, tu peux pas dire à ta femme, tiens, chérie, je te présente Patrick, un collègue de bureau, il va venir dormir à la maison? Tu vois, Patrick, on va prendre un bain. Tu sais, il y a plein de trucs de l'enfance comme ça qui me manquent. Vous vous souvenez quand on dormait dans des lits superposés? Vous vous souvenez quand on se penchait dans le vide pour dire au revoir à son copain du dessous? Bonne nuit, copain! Ben, quand t'as 40 ans, tu peux plus dormir dans des lits superposés. Moi, d'être en prison. T'as pas envie qu'il te dise bonne nuit, ton copain du dessous. Bonne nuit, copain. J'ai fait tomber mon silex. Il y a plein de trucs comme ça de l'enfance qui me manquent. Vous vous souvenez quand on pensait que le cœur il était en forme de cœur? Vous vous souvenez quand on pensait qu'on mangeait un pépin de pomme, on pensait qu'on avait un pommier? Vous vous souvenez putain, ça c'était incroyable ça. Quand on s'endormait dans le salon, petit, et qu'on se réveillait dans notre lit. Adulte, quand tu t'endors dans le salon, réveille dans ton vomi.
Bon, il y a des trucs de l'enfance qui me manqueront pas. La première chose, c'est le badminton. C'est quoi ce sport de merde? Ça me rend ouf, t'avais beau taper toutes tes forces dans la balle elle bougeait pas, t'étais là. La deuxième chose qui me manquera pas, c'est les humiliations dans la cour de récré au foot. Vous vous souvenez au foot? T'avais le chef d'équipe qui choisissait ses joueurs. Et que t'avais tout le groupe qui disait moi, il disait ça, moi. Et le groupe il rétrécissait. Et à la fin il restait toujours une meuf et moi. Et j'ai toujours entendu la même phrase, t'sais. Bon bah on va prendre Jennifer. C'est pour ça que ce soir, Tel Aviv, j'aimerais vous remercier de m'avoir choisi. Parce que c'est ce que vous allez voir en venant voir mon spectacle, et ça fait plaisir. C'est comme à l'époque, je sais pas comment j'ai joué, mais je sais que ce soir, je me suis fait plein de nouveaux copains. Et je sais un truc aussi, c'est que vous et moi, on va garder le contact. C'est vrai, je dis pas ça dans le vent. Grâce à Internet, parce que vous allez mettre toutes les vidéos du spectacle sur YouTube. Et grâce à ça, on se reverra au tribunal.